Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 18, 17 ou 18e, je ne sais plus. Je crois que c'est 17e épisode sur BioShock Infinite. Alors, on va commencer de suite. C'est parti. Ah là 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 là, il fait chaud en ce moment, hein? Purée. Je raconte ma vie, le beau temps, le mauvais temps, etc. Alors, faut que je me remette dans l'histoire. Pourquoi j'étais tout petit? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Ça y est, je m'en souviens. Regardez, la Vox Populi est en train de tout saccager. Je vois, je vois. On s'en va, on s'en va. Bonjour. C'était pas exactement ce truc-là que je voulais faire. Voilà. Oh, 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 oh. Excusez le chien. Venez, Boucard. Merci. Finish him. C'est n'importe quoi. Je vais voir si je peux trouver d'autres. Allez, on se casse de là. Alors, où est-ce qu'ils sont passés? Dans l'autre sens, ils devaient être là-haut. Wow, wow, wow. Je peux l'électrifier, ça? Super. Merci. Ouh, esquive. Oh oh, on s'en va. Elisabeth, c'est fait. Je m'en vais. Oh, ce truc. Non, non. Oh. Ouais. Là, je fais n'importe quoi. Eh ben, ça commence bien. Les Handyman, ils sont compliqués à tuer. Allez, on remonte. Je vois pas comment on peut s'occuper de lui. Encore une technique en fait. Oui, je sais, c'est pour ça que je dois sauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. On va y arriver, hein? Qu'est-ce que je peux utiliser contre lui? Ah, c'est pas une machine, mais... Enfin...
Accroche-toi. Ah, abruti. Parce que si à chaque fois qu'il y en a un, je me fais défoncer comme ça. Je suis d'accord. Voilà. Eh ben, il aurait fallu que je récupère son lance-roquette plus tôt. Alors, un peu de munitions, et on est parti. Pas besoin de kit de soins. Il n'y aurait pas un voxophone quelque part. Ça pas l'air. Alors, c'est un leurre, ça. Et voilà. Alors, c'est munitions. C'est ça. Fusil de précision, pistolet. Dégâts de la carabine. Voilà. Rayon. P2F. Ouais. Purée, tout ce qu'il y a là-dedans. Vos compus. Et quoi avec ça? Des mille pattes? Des mille pattes. Ouais. Tenez, gardez ça. Merci. Ouvrir ça, Elisabeth. Ah, j'ai plus de balles. À la boutique, ce que tu m'as demandé de faire. Évitons de parler de ça. Est-ce que cette chose t'a fait du mal? Si jamais elle me rattrape, c'est la mort, monsieur DeWitt. Booker. Mais je ne vois pas la différence. Passe partout. Alors, Banque du Prophète, le dépôt central, le marché. Qu'est-ce qu'il y a? Oula! Réclamé par le peuple de Columbia. Retrouve à l'envoyeur. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Ouais, mais encore. Press to generate a magnetic bouclier. Hold to absorb damage and release to throw it back. Ça peut être pas mal, ouais. Hold and release to create an explosive trap. Ça peut être pas mal du tout. Ah, donc j'ai tous les plasmides. Plasmido machin chose.
Booker, il y a un crochet là-bas. Bah oui, mais t'étais devant. Électricité. Augmente la durée du bouclier lorsque vous avez diminué le coût en cristaux lorsque vous maintenez. De toute façon, j'ai plus d'argent. Hein. Besoin d'argent ? Voilà. Toujours. Ah, mais non. Elle est passée de là à là-bas. Ah, déclencher une scène de combat. Waouh. Il n'y en a pas qu'un en plus. Pointez votre arme ailleurs. Oh, hey, tais-toi. Si c'est pour dire des conneries comme ça. Là. Vite. Vous êtes blessé. Il y en a d'autres ? Ça a pas l'air. Bon, je vais le garder pour le moment, le fusil. Les mecs, ils mettent des munitions dans les boîtes aux lettres, quoi. Ah, c'est bien, ils ont prévu plusieurs approches, on peut passer par en dessous. L'atmosphère. Du chocolat. Pas de musique. Bah lui, il est mort en faisant du piano. Oui. Reversez-moi du vin, James. C'est une récompense largement méritée. Tais-toi. Je peux te parler ou pas, toi ? Bon. Ce soir, le prophète a pris des mesures contre ses ennemis politiques. Il prêche la pitié. Mais ce soir, 40 âmes sont mortes et reposent dans des fosses sans nom. S'il y a un homme ici qui ne mérite pas la grâce, c'est bien mon mari. Mais alors que j'étais destinée à être privée de toute rédemption, il me l'a offerte malgré tout. Comment pourrais-je refuser le pardon à celui qui me l'a accordé par amour ? Je pense pas que ce soit par amour, mais bon. Hey, ouais, ils ont tous le même visage, mais c'est la même personne. Oh, de l'alcool. J'aurais pas dû. C'est la même personne dans le début du jeu qui parlait de latin. Ça brille par là-bas. Trois crochets. Bah, est-ce que tu pourrais faire ton truc là pour ouvrir ? Ça, je peux le faire. Ton truc. C'est prêt. Bonjour. Oh là là. Tu peux mourir. Merci. Oh là là. La barbe à papa dans la boîte aux lettres. Pas une lampe torche, je vois rien du tout. J'espère que ça valait le coup, qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ah, un équipement.
tuer pour vivre. Les exécutions corps à corps, 65% vous faire gagner de la santé. Ah, ça, je veux bien. Ça... Vous gagnez de la santé en tuant un ennemi au corps à corps. C'est un peu étrange. Laquelle est la meilleure? J'en sais rien. Je vais équiper celle-ci pour changer. Ardeur? Non, au ardeur. C'est un peu coupé là. Dommage. Alors. Ah, j'aime bien cette lunette de visée, ça me permet de voir des choses de loin. Enfin, c'est le but en même temps, mais bon. Quel gâchis. Est-ce que la ville va réussir à s'en remettre? Je crois pas. Bon, j'ai pas besoin de cristaux. Ah, c'est des policiers en plus. D'accord. Ça, c'est les exécutions. Icarus. Cunningham. Oh oh. Ne craignez pas les flammes. Ça, ça sert à rien. Je vais essayer un retour à l'envoyeur. Faites-le sortir de là. Nagez dans les flammes. Oh purée. Je n'ai plus rien. Là, des munitions. Ouais, mais c'est pas les munitions que je vais avoir besoin. Je te remercie. Piu. Oh, j'arrive pas à des scopes dans ce jeu. J'ai ramassé des cristaux. Merci. Moi aussi je peux me combattre au corps à corps. Ah ouais, bah écoute. C'est marrant là. Ah, la tête elle explose. J'ai trouvé de l'argent. T'as trouvé de l'argent, c'est sympa alors. Attrapez, monsieur DeWitt. Alors, 64 sur 64, plein. Hop. Ah, j'aurais dû fouiller les cadavres avant, mais... Un abri. Encore un truc à picklock. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un canon automatique là-dessus. Oh, il m'énerve ce chien. Alors, on va aller ouvrir la porte là-bas. Elisabeth ? Oh, ça ne prendra pas de temps. Bah, c'est quoi ? Oh, ça c'est. Et voilà. Flagrant en plus, changement de couleur, bleu, rouge. Chapeau, contact électrique, 60% des tournées ennemies, enfin pas au corps à corps, votre victime est vulnérable pendant 3 secondes. Ça, ça m'intéresse. À la place des flammes, ouais. Parce que les flammes, ça me fait des dégâts à moi-même aussi. L'albatros. Un peu d'argent, même pas. Ah. Devant
tous les hommes. Le sergent m'a regardé et a dit « Ton arbre généalogique abrite un tipi ou deux. Pas vrai, mon garçon. Ce mensonge, cette calomnie m'a poursuivi toute ma vie. À compter de ce jour, plus personne ne m'a jamais appelé camarade. Il a fallu que je brûle des tipis et les femmes qui s'y cachaient pour qu'ils me considèrent comme l'un des leurs. Seul le sang peut racheter le sang. » Ok, ce mec est complètement barjo. C'est tout. Vous savez, je repense beaucoup à votre rêve. New York en flamme. Quel rêve ? Quelque chose m'intrigue. Ah Ouais, le rêve quand on est tombé de la tour.